Bonjour à tous. Donc, retour après quelques vacances. Alors, retour léger avec un cylindre Bricard Super Sûreté fourni par Raoul. Voilà, donc celui-là a la particularité d'avoir une belle protection autour, assez massive. Donc, entraînement avec un morceau de corde de piano, tout con, et un pic, je ne sais plus la marque, je mettrai la référence, qui n'est pas, pas très fin, mais qui est assez costaud, parce qu'on a tendance à appuyer un peu trop fort sur les vides. Et donc il faut mieux prendre un pic un peu costaud. Bah, donc recherche au départ des billes qui sont plus dures que les autres. Et on les met en place comme une bobine, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc on tâte les billes en fait qui donnent un retour. Si elles ne donnent pas de retour, c'est pas bon. Donc on tâte alternativement en bas, en haut et sur le côté. On est obligé de revenir plusieurs fois sur les paillettes à placer, parce qu'il y en a qui remontent des fois parce que c'est pas leur tour, etc. Donc, c'est assez long. Comme c'est un cylindre qui normalement il faut le crocheter 4 fois, ça peut vraiment être très long comme ouverture. Voilà, donc là on ne doit pas être loin. Il faut trouver la dernière qui va nous donner un retour, comme d'habitude. Voilà. Donc je passe pas plus loin. Et donc maintenant on va se faire dans l'autre sens d'entraînement. Donc j'aurais pu mettre l'entraîneur en haut, ça aurait été plus pratique, mais je me suis rendu compte qu'avec la caméra on n'y voyait plus grand chose. Donc, continue à placer l'entraîneur en bas, ce qui n'est pas le plus pratique pour le pic, il y a beaucoup de place. Voilà. Donc là, l'entraînement est anti-horaire. On ne s'en rend pas bien compte, mais on l'a fait horaire pour la première vidéo et anti-horaire pour celle-ci. Bon, c'est le même principe. Sauf que là, effectivement, mettre l'entraîneur en haut laisserait plus de place pour le pic. Voilà, donc même principe. On cherche les billes qui nous donnent un retour. Ou la paillette sans billes qui nous donne un retour aussi. Ouais, le bon clic, c'est sympa. Bon, après, il ne faut pas trop insister des fois. Mais... C'est vrai que c'est pas évident à le lire. Cylindre, c'est pour ça qu'on est obligé de tâter tout. Enfin, moi j'arrive pas à bien les lire encore. Je les ouvre, mais donc là vous remarquez qu'au fur et à mesure que le rotor se décale, j'ai moins de place pour passer le pic, notamment de ce côté-là. Place un peu l'entraîneur. Bon, c'est pas l'idéal comme entraîneur, mais pour l'instant c'est celui qui me donne les résultats. Donc. Alors voilà, on va les crocheter. On y accroche un peu, parce qu'il n'est pas tout jeune ce truc. Enfin bon, là c'est fait, croyez-moi sur parole. D'ailleurs on voit le débattement qu'il a. Voilà.